De retour dans le live, 9h23, bienvenue sur TV Finance. On se retrouve pour notre rubrique Le Broker du jour avec eToro et nos deux experts. Il s'agit de Antoine Fraisse-Soulier et David Derry, tous deux analystes de marché chez eToro. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors Antoine, on va commencer avec vous et le CAC 40 qui encore ce matin grappille des points. On est sur un marché euphorique, pourtant il y a très peu de volume et cet indice qui enchaîne les records successifs et une sixième hausse en termes de semaines. Oui, effectivement, le CAC 40 qui enchaîne les records et donc qui a bouclé une sixième semaine de hausse consécutive. Alors ça fait suite à plusieurs facteurs. C'est que tout d'abord, la saison des publications de résultats est en train de se terminer. On a 39 sociétés sur 40 qui ont publié, d'ailleurs 40 hein, ce matin, Bouygues, la 40e société du CAC a publié. Et on voit que ces résultats ont été pour la plupart excellents avec des relèvements de chiffre d'affaires, des relèvements de prévisions. D'objectifs. Donc on a d'une part donc les résultats d'entreprise qui sont excellents. De l'autre part, on a les banques centrales qui sont toujours à la manœuvre et qui soutiennent les marchés. Et donc avec en plus des statistiques macroéconomiques qui sont plutôt bonnes, hein, puisque par exemple le PIB en France a progressé de 3% au troisième trimestre, sachant qu'on attendait 2,2. Donc tous ces éléments militent pour finalement eh bien, une reprise de la hausse, puisque au mois de août-septembre, on avait eu une consolidation après avoir atteint un plus haut annuel à 6900 points aux alentours. On était revenu tester les 6004 et depuis ces 6400 points, eh bien, on a repris à peu près 650 points sur le CAC 40. Donc on a repris plus de 10% et ça continue. Aujourd'hui, on fait un nouveau plus haut historique. Jusqu'où ça va aller, on ne sait pas, hein, puisque lorsqu'on est sur des plus hauts, on n'a pas d'historique justement pour se repérer dans le temps sur des anciens plus hauts. Donc ça peut aller à 7002 déjà, premier objectif, et pourquoi pas plus haut. Toujours est-il qu'effectivement, on a un CAC 40 qui est toujours en forte hausse. Alors, on va parler maintenant de cette rumeur hein, par rapport au groupe BNP Paribas, plus forte hausse du CAC, avec justement une rumeur de cession d'une de sa filiale américaine, Bank of the West. Oui, effectivement, hier, le groupe BNP Paribas, en plein milieu de séance, a fait un bond de 4%. C'est d'ailleurs la plus forte hausse du CAC sur la séance d'hier. Juste pour rappeler que BNP a fait son meilleur trimestre de son histoire avec un bénéfice de plus de 7 milliards d'euros. Et on est sur des plus hauts d'ailleurs, quand on regarde le cours de bourse, on est sur des plus hauts maintenant de 2018. Alors effectivement, ce qui a fait bondir le titre hier, c'est effectivement une rumeur, mais assez fondée, sur la vente d'une de ses filiales américaines. En fait, ça s'appelle Bank of the West. C'est une banque au détail aux États-Unis. Ça serait pour finalement arrêter la banque au détail aux États-Unis. Étant donné que aussi Christine Lagarde, présidente de la BCE, a souhaité que les banques européennes se recentrent en fait sur leurs activités européennes. Donc c'est une opération qui pourrait aller jusqu'à 15 milliards de dollars, hein, donc c'est pas neutre pour BNP. Et donc selon les rumeurs, on a JP Morgan et Goldman Sachs qui travaillent sur le dossier. Alors quelle serait l'entreprise qui pourrait racheter donc Bank of the West? C'est alors on avait au départ PNC Financial Services, qui est une banque américaine, qui était sur le coup, mais en fait finalement ils ont racheté les activités de la banque espagnole BBVA. Ce ne sera pas cette banque. Et donc on a potentiellement deux banques canadiennes, qui sont les banques Toronto et Royal Bank of Canada, qui pourraient racheter cette filiale. Mais on n'en est qu'au début des rumeurs, des spéculations. On verra comment ça évolue. Mais bon, en tout cas, c'est plutôt une bonne nouvelle pour BNP qui poursuit son très bon parcours depuis maintenant 18 mois. Alors on va maintenant parler de Carrefour. Hein. Qui, semble-t-il, fait un virage stratégique à 180 degrés vers le digital. Oui, effectivement, Carrefour, c'est aussi des très bons chiffres pour le troisième trimestre. Depuis que son nouveau PDG, Alexandre Bompard, est arrivé il y a maintenant un peu plus de 2 ans, on voit qu'on a un groupe qui se restructure et qui souhaite, entre guillemets, devenir un peu le Walmart américain avec donc un revirage stratégique sur le digital. Aujourd'hui, la part du commerce en ligne dans Carrefour est extrêmement faible. Il voudrait, le PDG Alex Bompard voudrait que ce soit 10% du chiffre d'affaires. C'est vrai que la pandémie a montré que le digital et l'e-commerce étaient vraiment
la clé en fait du succès maintenant pour tout ce qui est la grande distribution, et pas que la grande distribution alimentaire d'ailleurs. L'ambition, c'est de générer 600 millions d'euros de résultats opérationnels courants d'ici 2026, alors qu'aujourd'hui ça génère quasiment zéro. Donc, et d'ailleurs l'e-commerce n'est toujours pas rentable chez Carrefour aujourd'hui. Donc c'est vraiment une ambition et un revirement stratégique, c'est-à-dire que là ça va désormais pousser Carrefour à vendre de ses hypermarchés, certains de ses commerces en physique. Et donc du coup, Carrefour, déjà la semaine dernière, c'était la plus forte hausse du CAC 40, hein, elle a progressé de plus de 5%. On voit qu'on est toujours, on est toujours dans un couloir latéral hein, sur Carrefour. Alors là, je me mets sur du long terme. Depuis 2018, hein, on est entre 12,50 € et 18,50 € grosso modo. On est toujours vraiment entre ces deux bornes depuis plus de 3 ans. Mais il semble que le titre pousse vers le haut, et si on dépassait effectivement ce niveau des 18,50 €, ça pourrait vraiment avoir un effet très positif sur le titre. Et après, ben, on aurait un objectif, pourquoi pas 20 € dans un premier temps. Et ensuite, on voit que Carrefour a de la marge, hein, puisqu'au plus haut, elle valait 40 €. Mmh. Donc, on a potentiellement quand même un beau rattrapage sur Carrefour.